Donc Constant, j'imagine venir avec les équipements de l'équipe de France dans ta région d'origine, qu'est-ce que ça représente? Bah, une vraie fierté, en plus on est sur les terres de la Pays de la Loire, donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup plaisir. Tu as des proches, j'imagine, qui seront présents sur... Oui, sûrement ma maman qui est dans le coin, et donc elle va certainement venir samedi soir au match. C'est un retour pour toi après, après une longue blessure. Une longue blessure, une longue blessure ça a été long, une bonne rééducation, mais aujourd'hui c'est du passé. Et... on regarde tout droit devant. Comment tu analyses ton départ depuis ton plus jeune âge de la région? T'as bien grandi depuis. Beaucoup d'évolution. Beaucoup d'évolution. J'ai touché le haut niveau au Havre avec une saison pleine en D1. Malheureusement, après, je me suis blessée. Ouais. Je suis encore jeune, donc j'ai tout l'avenir devant moi avec beaucoup de travail. Tes ambitions là sur les prochains mois? Il y a une Coupe du Monde qui arrive. Ouais, une Coupe du Monde. Enfin, déjà, on va parler club. On va essayer d'avoir du temps de jeu en club, beaucoup plus de temps de jeu en club, pour me permettre justement d'accéder à la Coupe du Monde. Et juste un dernier mot sur tes souvenirs. Quels souvenirs tu gardes de tes années en club et puis peut-être avec les sélections Déjà, il faut toujours savoir d'où on vient. Donc, je fais un petit clin d'œil à Beauvoir-sur-Mer, mon premier club, ma première coach Claudie Durand, que je penserai toujours, qui m'a permis d'accéder au haut niveau avec beaucoup de conseils. C'est une femme, donc avec un parcours professionnel aussi. Et puis ensuite, tous les clubs par où je suis passée, aussi à La Roche-sur-Yon qui m'a permis de voir le haut niveau en U19 Nations. Et puis ensuite, tous les autres clubs. Enfin, il y aura des gens de l'ESO qui seront là sur les matières. J'espère les voir.